Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Les représentants des religions de Belgique ont dit leur tristesse de voir une commission du Sénat voter l'extension de l'euthanasie aux mineurs. 400 000 logements sont inoccupés dans les grandes agglomérations françaises. Par la voix de son fondateur, le père Bernard Dever, le mouvement Habitat et Humanisme lance son troisième appel national aux propriétaires solidaires. L'année de la foi s'est aussi terminée à Versailles, où les artistes chrétiens avaient choisi de se pencher sur le travail d'Hildegard de Bingen. Le grand événement de cette semaine pour les catholiques est la parution ce mardi de l'exhortation apostolique du pape François. Pour parler d'Evangelii Gaudium et de cette invitation à évangéliser, nous avons invité Marc Deléritz, fondateur des cours Alpha en France, et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Voilà pour le sommaire. En Belgique, la proposition de loi autorisant l'extension de l'euthanasie aux mineurs a été adoptée ce mercredi par la Commission des affaires sociales et de la justice du Sénat. Dans la foulée, les représentants des grandes religions chrétiennes, musulmanes et juives ont exprimé leur tristesse. Dans un communiqué, ils ont rappelé que, voilà les guillemets, « mettre fin à la vie est un acte qui non seulement tue, mais détruit un peu plus les liens qui existent dans notre société, dans nos familles, en proie à un individualisme grandissant ». Le père Scholtes, porte-parole de la Conférence des évêques de Belgique, s'est fait l'écho de cette réaction. C'est une décision qui est étonnante et qui est à la fois pour moi le signe de... C'est un changement complet de perspective. La vie m'appartient, la vie, je peux en décider ce que je veux. La vie n'a plus ce caractère de lien qui fait que on est ensemble, on accompagne ensemble. Et ce que nous disons à propos des soins palliatifs, à propos de la sédation, qui sont des manières d'accompagner la fin de vie, pour certains, ça n'est pas considéré comme suffisant et il vaut mieux, excusez-moi l'expression, entre guillemets, en finir dans certains cas. Alors que pour nous, bien sûr, nous ne supportons pas la souffrance, bien sûr, nous ne voulons pas d'un acharnement thérapeutique, mais nous voulons que la personne soit mise dans les conditions sans douleur à travers les soins palliatifs et à travers une éventuelle sédation, et pas de donner un acte de mort. Alors on remarquera que ce projet de loi ne concerne que les mineurs et non plus les personnes déficientes mentales, comme prévu au départ. En effet, l'état de ces personnes ne correspond pas à l'un des critères nécessaires pour être euthanasié en Belgique, critère inscrit dans la loi de 2002, le libre choix des personnes concernées. Mardi, des veilleurs belges se sont tenus devant le Parlement de Bruxelles durant toute la soirée, toujours dans l'idée d'éveiller les consciences de leurs compatriotes sur ce qui se trame au Parlement. Mais cette fois, les forces de l'ordre ont emmené une dizaine d'entre eux au poste. Une première pour les membres de ce mouvement né en Belgique il y a 2 mois. D'après une organisatrice, l'État voulait couper court à ce mouvement pour qu'il ne devienne pas aussi important qu'en France. Enfin, le site internet de la Conférence des évêques de Belgique est la cible d'attaques informatiques empêchant, entre autres, de recevoir sa newsletter quotidienne. Sans doute un hasard. En France, à propos de la fin de vie, le CCNE se fait très discret. Depuis la mi-novembre, un groupe de 20 personnes compose le panel représentatif de la population française. Il se réunit 4 week-ends pour réfléchir à la fin de vie et rendra officielles ses conclusions en décembre. Pas de grand débat national comme en 2009 avec les états généraux de la bioéthique ? Réponse du professeur Jean-Claude Amezen, président du CCNE. Ce que nous avons fait en ce qui concerne la conférence citoyenne, c'est donc de demander à l'IFOP de tirer au sort une vingtaine de personnes avec des critères d'âge, de profession, de localisation géographique et de leur donner 4 week-ends pendant lesquels ils entendent des personnes, ils discutent avec des personnalités choisies par le CCNE qui représentent tous les horizons. Il y a un week-end où les citoyens choisissent eux-mêmes, s'approprient le processus et choisissent eux-mêmes les personnes qu'ils veulent entendre. Nous donnons la parole aux citoyens pour rendre leur avis. Nous avons souhaité, au fond, c'est ce que nous leur avons dit, qu'ils puissent travailler dans les mêmes conditions que le Comité consultatif national d'éthique et donc qu'ils puissent réfléchir sereinement, tranquillement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas rendre public leur lieu et leur date de réunion, de telle manière qu'ils ne soient pas assaillis de questions ou de manifestations diverses. Mais l'idée, c'est qu'ils travailleront d'autant mieux et qu'ils réfléchiront d'autant mieux ensemble, qu'ils sont un peu à l'abri des interférences extérieures. Alors pour autant, certains pensent qu'il fallait que ce débat de société soit tenu en place publique, comme ces jeunes gens qui se sont retrouvés hier soir à Paris autour du docteur Xavier Mirabel, cancérologue et président d'Alliance Vita. Une soirée intitulée « La tentation de l'euthanasie » où des soignants, des étudiants et des jeunes professionnels sont venus l'écouter et échanger avec lui. Ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est la notion de la dignité. Vita Jeune a fait venir le docteur Xavier Mirabel. Ils veulent ainsi aider les jeunes à dépasser leurs idées reçues sur la fin de vie.
On mélange parfois un peu tout, les soins palliatifs, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie. Et donc c'est pas mal de se former pour savoir de quoi on parle précisément. Pour le cancérologue, la mobilisation de ce soir montre l'intérêt notamment des jeunes sur la question. Il y a une préoccupation sur un risque de légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté dans notre pays à court terme. Et effectivement, le fait de voir des jeunes se mobiliser, c'est quand même le signe que tout le monde n'est pas prêt à accepter ça sans réagir, que les vrais enjeux n'ont pas été posés sur la table pour une vraie réflexion au niveau politique et national. On essaye, nous, de retourner vers des questions de fond et vers un vrai débat. Dans l'assistance, soignants et futurs soignants, mais pas seulement, tous venus échanger autour d'une question souvent encore taboue, également dans le milieu médical. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un grand débat. C'est toujours les mêmes personnes qui en parlent et qu'on entend. Bon, c'est un peu difficile de faire entendre sa propre voix, déjà de se creuser sa propre réflexion pour ensuite faire entendre sa propre voix. Je travaille comme infirmière en soins palliatifs. Je suis confrontée à des personnes en fin de vie quotidiennement et ça m'intéresse d'apporter mon témoignage de soins palliatifs que les gens connaissent peu. Alliance Vita souhaite, par des soirées comme celle-ci, s'inviter au débat. À l'étranger, en Centrafrique, la situation pourrait s'améliorer depuis des mois. L'église locale et des politiques appellent au secours. Et il semble qu'enfin les chancelleries américaines et françaises aient bien pris conscience de la situation pré-génocidaire du pays. On a appris lundi que de nouvelles forces françaises rejoindraient les forces africaines sur place pour freiner l'effondrement de l'État et l'affrontement confessionnel, selon les mots du ministre de l'Intérieur. Nous avons joint Mgr Asiak Bia, évêque de Bossangoa, pour qu'il nous dise comment il a accueilli la nouvelle de ce soutien militaire. La réalité du diocèse de Bossangoa pour le moment est apocalyptique. C'est la confiance dans le Seigneur qui nous fait avancer, qui nous fait sourire. La célébration, je dirais, c'est un poumon d'oxygène pour la communauté qui se retrouve. Je n'ai jamais vu ma cathédrale aussi remplie que depuis cette crise. Nous sommes arrivés à un point où, je dirais, les semences ou bien les graines du génocide sont en train d'être semées. Et si aucune action n'est prise de manière vigoureuse et le plus rapidement possible, on en arrivera là. Nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale. Face à l'ampleur de la crise que nous sommes en train de traverser, l'effectif proposé est assez faible. L'effectif proposé est assez faible. Afrique toujours, avec l'enlèvement du père Vandenbeusch au Cameroun. Son diocèse d'origine, le diocèse de Nanterre, a diffusé une prière de soutien pour demander au Seigneur la protection et la libération du missionnaire. Dimanche dernier, une veillée diocésaine et une eucharistie présidée par Mgr Gérard Daucourt ont eu lieu à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Sur place, Corline Salvoche a bien senti combien les participants n'oublient pas leur ami Georges, ni les otages du monde entier. Ils sont venus des quatre coins des Hauts-de-Seine pour rendre hommage à leur prêtre diocésain, le père Vandenbeusch, enlevé début novembre au Cameroun. Dimanche soir, la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre est remplie de fidèles pour cette première grande veillée de prière d'espérance. Je suis convaincu que là où il est, il ressent cette prière. Je suis convaincu aussi que la prière du Seigneur influence, elle influence tous les acteurs de ce drame. Sur les bancs de la cathédrale, la famille, des amis, mais aussi beaucoup d'inconnus venus en soutien. L'inquiétude se lit sur les visages, sans aucune nouvelle, difficile en effet de connaître l'évolution de la situation. Et c'est donc tout un diocèse qui est dans l'attente. C'est quelqu'un de très fort moralement, très fort physiquement. On l'a vu dans différents reportages, c'est un rugbyman, c'est quelqu'un de solide. Mais oui, on est inquiet pour lui, mais on est vraiment inquiet pour sa sécurité, c'est surtout ça. Je suis très inquiet parce que nous ne savons rien et parce qu'il est vraiment tout seul. Rien ne nous séparera de l'amour que Dieu nous a manifesté dans le Christ Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est notre certitude, mais il faut l'entretenir par la prière et en témoigner de cette foi qui nous habite. Le diocèse de Nanterre a donc publié une prière rédigée par Mgr Daucourt pour le père Georges et tous les autres otages. Actuellement, 7 Français sont encore retenus dans le monde. Alors on quitte l'Afrique pour l'Asie du Sud-Est. 18 jours après le passage du terrible typhon sur une partie des Philippines, l'archidiocèse de Palau a donné un signe fort à ses fidèles et au monde. Regardez cette photo prise lundi dernier. Alors que le pays peine à se reconstruire, 7 nouveaux prêtres ont été ordonnés par Mgr John Doe dans une cathédrale sans toit. Comme quoi l'espérance est bien une vertu théologale donnée par Dieu.
à Versailles le week-end dernier. Le week-end dernier a été marqué par la fin d'une année de la foi durant laquelle les artistes du diocèse ont cheminé à l'écoute d'Hildegard de Bingen, tout nouveau docteur de l'Église. Une quarantaine d'artistes, membres de la Diaconie de la Beauté, se sont mobilisés pour offrir 3 jours de concerts, d'expositions et de conférences. Écoutons Nathalie Lockhart, déléguée diocésaine du service Art, Culture et Foi. Cette exposition, c'est le fruit d'une année de cheminement dans la foi, pendant cette année de la foi, avec les artistes, à l'écoute de Sainte Hildegarde de Bingen. Hildegarde a une manière très artistique de traduire le mystère de la foi. Elle ne nous écrit pas une somme en 3 points de théologienne avec un vocabulaire compliqué. Elle nous parle des mystères de Dieu, de l'homme, du cosmos, avec une multitude d'images, toutes plus belles les unes que les autres. Elle dit par exemple, l'homme est la clôture des mystères de Dieu. Elle dit par exemple que l'âme est l'atelier où l'esprit fait ses gammes. Elle dit par exemple que toute la création étincelle de la gloire de Dieu. Et pour nous, c'est nourrissant parce que c'est une manière de dire le mystère qui est pleine d'images, pleine de poésie. Alors l'hiver est là, il fait froid et la précarité revient au-devant de l'actualité. Les associations d'aide au logement regardent déjà vers la fin de la trêve hivernale en mars, où près de 100 000 personnes seront sous le coup d'une expulsion. Et parmi elles, 10 000 familles. Ces associations ont aussi répertorié 400 000 logements vacants, des logements qui se situent dans les 8 plus grandes agglomérations françaises. Mais comment mettre en rapport des logements libres et ces personnes souvent insolvables? Le père Bernard Dever, fondateur du mouvement Habitat Humanisme, a bien une petite idée. On voit bien que quand on regarde dans la rue, on voit parfois des familles qui sont en très grande situation délicate. Et donc la tentation, c'est de dire on va réglementer. Et donc souvent les propriétaires disent je laisse comme ça le logement. Et donc la démarche, c'est de leur dire eh bien écoutez, ce logement qui est vide, vous acceptez de nous confier avec un loyer qui soit un loyer solidaire, 5, 6 euros du mètre carré, avant donc le montant de l'aide personnalisée au logement. Puis on va dire au propriétaire, c'est vrai qu'on vous demande en fait un effort important, mais cet effort important, vous allez aussi bénéficier davantage. Quels avantages? D'abord un avantage fiscal, qui est celui que 70% de ces loyers ne sont pas assujettis en fait aux revenus fonciers. Et le troisième autre avantage, c'est en fait la garantie de ce loyer, et à partir duquel aussi on assure un accompagnement de la famille. Donc il y a une sécurité qui est offerte aux propriétaires. Alors c'est peut-être rare, mais le ministre de l'Éducation nationale et le Bureau international catholique de l'enfance, le BICE, sont à l'unisson. Ces derniers jours, ils ont lancé une campagne de sensibilisation au harcèlement scolaire et plus précisément au cyberharcèlement. Un harcèlement via les réseaux sociaux qui concernerait 1 enfant sur 10. Le BICE propose que cette prévention passe par les jeunes eux-mêmes pour qu'ils ne soient ni victimes ni complices involontaires. Plus d'informations sur le site www.bice.org. Enfin, dans la famille pop-rock chrétien, le groupe Push est né en 1993, époque où il faisait de l'animation liturgique. Le groupe Genevois a bien grandi. Comme l'année dernière, leur album de Noël sera distribué gratuitement dans les paroisses pour redonner son sens à la fête de Noël. Certains ont pu entendre leur titre en live à Paris, au Cabaret Sauvage, il y a une semaine. Un groupe atypique, dans une salle atypique, les fans ont beaucoup aimé. Merci pour cette soirée ici. C'est un rituel incontournable pour le groupe, une prière pour rassembler ses esprits avant d'entrer sur scène. Et c'est parti pour 1h30 d'énergie à revendre. En 10 ans d'expérience, c'est la première fois que le groupe monte sur une scène aussi grand public. Un choix qui correspond à une nouvelle orientation du groupe. L'évangélisation, elle se fait parce qu'on fait des ponts avec la culture actuelle. Ce genre d'événements en font partie. Donc on essaye d'inviter les gens à découvrir ce qu'on vit et ce qu'on fait dans la musique. Les jeunes présents ce soir-là sont des habitués. C'est des paroles qui sont directement extraites de la Bible. Donc les mettre en musique, ça permet de les vivre plus intensément. Au début, j'y allais vraiment juste pour la musique et puis... Au fur et à mesure, les paroles m'ont rejoint, m'ont travaillé un petit peu. Et donc c'est en fait avec Push que j'ai commencé à refaire un petit peu un chemin de foi. Ce soir-là également, une 50aine de jeunes de l'aumônerie du collège Saint-Charles d'Atis-Mons dans l'Essonne. Pour nous, le groupe Push est un groupe qui nous aide à vivre un petit peu toute l'année pour nos célébrations, pour chanter et vivre ensemble. Ça aide surtout à leur faire rencontrer Dieu. Les paroles sont dites de façon qu'on peut tous comprendre à n'importe quel âge. Ce concert au Cabaret Sauvage est le premier d'une longue tournée en France et en Belgique jusqu'au 29 mai prochain.
Et puis avec le début de l'Avent ce week-end, petit tour d'horizon des retraites en ligne. Des Dominicains de Lille, au Carme de la province de Paris, ou bien à Notre-Dame du Web, de spiritualité ignatienne. Ces différentes propositions rappellent l'invitation à se préparer à vivre le mystère de la nativité. Comme annoncé dans quelques instants, nous retrouvons nos invités en plateau pour parler de la première exhortation apostolique du pape François. Juste le temps de voir ce que présentent vos hebdomadaires chrétiens cette semaine. Alors cette semaine, la une de Famille Chrétienne est une sorte de retour vers le futur. On y voit Frère Jérôme qui fut la boussole de l'abbaye bénédictine de Ceffonds pendant les années 60. Un destin qui explique aujourd'hui le nombre de vocations de cette abbaye de l'Allier et de sa fondation tchèque à Novidur. À noter un bel article sur les mères de famille qui assument leur statut à contre-courant. Pèlerin a choisi de faire sa couverture sur la nouvelle traduction de la Bible de la liturgie et souligne que ce travail devrait à terme modifier la manière dont les catholiques s'approprient ce texte sacré. À noter l'article sur la statue de Christ qui vient d'entrer au Louvre, une statue attribuée à Michel-Ange tout de même. De son côté, la vie a choisi de mettre Noël en avant et propose pour cela de redécouvrir l'histoire et le sens des symboles qui sont rattachés à cette fête. À noter Nicolas Hulot qui a transmis une demande de François Hollande en vue d'une audience avec le pape François, comme il le dit dans le magazine. Interview où il confirme la rumeur selon laquelle le pape aurait le projet de publier, probablement d'ici 2015, une lettre encyclique consacrée à la protection de l'environnement. Enfin, Réforme fait sa une sur la prostitution, un débat qui dérange. L'hebdomadaire protestant pointe le danger, si cette loi pénalisant les clients passait, de voir ce commerce de la chair tomber dans la clandestinité et accroître l'insécurité des filles. À la suite de l'exhortation apostolique du pape François, le père Armogat s'interroge sur le sort réservé en France aux travailleurs détachés venant de pays européens. L'exhortation apostolique du pape François contient des directives pratiques et il faudra certainement plusieurs mois, plusieurs années pour que nous puissions bien prendre conscience de tout ce à quoi le pape nous invite. Je ne retiens qu'un point aujourd'hui, qui est celui de ce qu'on appelle les salariés détachés, des ouvriers de l'Europe du Sud ou de l'Europe de l'Est, qui, en vertu des directives européennes sur la mobilité des travailleurs, sont employés en France par des entreprises françaises, mais qui paient les charges sociales des pays d'origine et qui souvent leur proposent un salaire inférieur au salaire minimum français. Les conditions de sécurité, en particulier dans le bâtiment ou dans l'agroalimentaire, ne sont pas tout à fait les mêmes que celles appliquées pour les ouvriers français. Les conditions de logement, de travail de ces personnes qui signent des contrats dans une langue qu'elles ne comprennent pas sont souvent très inférieures à celles des travailleurs français. Alors, la concurrence a du bon, encore faut-il que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes, le reconnaissait la Fédération française du bâtiment dans un communiqué récent. Et je crois que l'application de règles sociales, de justice sociale, serait déjà une première manière de bien comprendre et répandre ce à quoi le pape nous a invités dans son exhortation apostolique. Merci Père. Place maintenant à notre dossier de la semaine. Le pape François l'a présentée dimanche, elle a été rendue publique mardi. Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, est la première exhortation apostolique du pape. Un texte de 165 pages où le Saint-Père invite chacun à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Ce qu'il a commencé à mettre en œuvre. Pour en parler, Marc Deléritz, fondateur des Cours Alpha en France, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez présent à Rome il y a un an en tant qu'auditeur pour le Synode, et puis Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir. Alors ma première question toute simple après cette longue lecture quand même, quel a été votre sentiment? Votre premier sentiment, vos impressions? Une grande joie déjà, parce que tout ce texte est sur la joie. Et il est écrit avec une simplicité, une espèce de pétillement d'humour qui le jalonne partout, de phrases heureuses, mais qui dit tout dans la première phrase en disant « la joie vient de la rencontre avec Jésus ». Et là, il y a une force simplement dans cette première phrase qui contient, comme dans un flacon, tout ce qui est dit ensuite. Et Benjamin, alors, cette première lecture? Bousculé, toi qui es chrétien, toi qui confesses le Christ, est-ce que tu ne dois pas re-rencontrer Jésus? Moi, c'est ce que je lis quand je lis ce texte. Re-rencontrer Jésus et cette joie de le connaître, cette joie de son amour. Et à partir de là, c'est une joie qui évangélise. Et du coup, nouvelle étape évangélisatrice, mais nouvelle étape aussi pour moi personnellement dans ma vie de chrétien.
Vous qui avez en texte la structure du message final du synode pour la nouvelle évangélisation, on voit bien qu'il y a deux axes majeurs qui apparaissent, la conversion personnelle et puis forcément la conversion pastorale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien entre les deux ? Oui, elles sont liées intimement. C'est-à-dire que le pape s'adresse d'abord, ou le Christ s'adresse d'abord à chacun d'entre nous en disant « Viens, laisse-toi rencontrer par moi, cherche-moi et tu vas me trouver. » Et ça, c'est la conversion personnelle, c'est la compréhension que d'être chrétien, c'est d'avoir une relation vivante, réelle, vivifiante avec Jésus-Christ comme ami, comme sauveur. Et puis, il y a un basculement, mais qui est là depuis le début de l'Église, dans lequel être un chrétien isolé, on le sait, c'est un chrétien en danger, et que le plus précieux héritage que le Christ laisse au monde, c'est l'Église, qui est son corps et dont il est la tête. Et la conversion pastorale, elle est à deux niveaux. Un niveau dans lequel je suis appelé, moi, chacun d'entre nous, chaque chrétien, à rejoindre cette communauté et à y vivre une vie de disciple, qui devient missionnaire. Et on voit bien que pour lui, un disciple, un missionnaire, ça va de soi, ça va ensemble, parce qu'on déborde. Mais cette conversion pastorale touche à un deuxième aspect, qui celui-là est presque révolutionnaire dans la manière dont le texte pose les choses, dans lequel l'Église elle-même est invitée à se revoir en profondeur la nature de sa vie. Et donc la conversion pastorale, c'est à la fois une conversion des chrétiens, des pasteurs en tête, et une conversion de la pastorale, c'est-à-dire une conversion de l'Église qui est appelée à aller servir en fait le monde entier, et pas seulement simplement ceux qui sont là le dimanche. Alors, on sait que le pape est d'origine sud-américaine. Est-ce qu'on doit entendre cette pastorale avec ce côté justement sud-américain ? Il a repris une belle expression hein, qui parle bien et qui dit le pasteur doit porter sur lui l'odeur parfois un peu rance des brebis. Et il précise cette image, et pour moi c'est très important par rapport à la manière dont l'Église, nos communautés doivent être gouvernées, en disant le pasteur, qui doit sentir un peu mauvais l'odeur des brebis, il faut qu'il puisse mener devant le troupeau, parce qu'il sait où il va, qu'il sache mener derrière, parce qu'il doit laisser à ses brebis le flair de trouver le chemin. Et là on est en plein dans la vision du concile et des laïcs, c'est au troupeau de trouver son propre chemin. Et il doit mener au milieu pour bien sentir un peu le chemin et tout ce qui fait qu'un peuple en marche exhale d'une certaine façon. Donc oui, c'est très imagé, et il utilise cette image et cette odeur presque dans son texte. Pardon, qu'est-ce qui fait que justement entre cette conversion personnelle et cette conversion pastorale, le déclic se fait pas toujours ? C'est le fait que nous avons du mal à déjà rencontrer le Christ. Et parce que dans notre Église, depuis des siècles en fait, nous avons perdu le sens d'une distinction pourtant très importante et qui est reprise avec force dans ce texte, entre le kérigme, qui est l'annonce de la foi, pour prendre la manière dont Jean-Paul II en parlait, à la suite de laquelle un homme ou une femme décide de donner sa vie au Christ et de le lui confier, entre le kérigme d'un côté et la catéchèse. Et très souvent, la catéchèse, et Jean-Paul II le constatait dans ses textes, Benoît XVI après lui, n'a pas lieu. Donc, la foi est vécue pour beaucoup de catholiques, même pratiquants, comme d'abord l'ingestion d'une série de dogmes, de rites, de morale, de liturgie, toutes très belles, mais qui n'ont pas de sens si d'abord l'amitié personnelle avec Dieu vivant, incarné dans le Christ et illuminé par l'Esprit-Saint, n'illumine pas tout cela. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal. C'est que très souvent, on a perdu le sens du kérigme. Et ce qu'on a retrouvé dans Alpha, je crois, c'est le fait de mettre l'étincelle, le fait de tomber amoureux en préalable à tout ce qui suit. Non pas ce qui suit n'est pas important, mais tomber amoureux, c'est premier. Alors Benjamin, je vois opiner du chef. Oui, c'est cette nouvelle étape évangélisatrice dont parle le pape François, vous le disiez. Finalement, c'est un retour aux évangiles, à cet élan missionnaire du temps de Jésus, avec ce compagnonnage avec le Christ. J'aime bien, c'est aussi l'odeur des brebis, c'est aussi on est ensemble, on est compagnons, ensemble dans cette mission en Église. Et vous parliez des laïcs, c'est vrai qu'ils demandent finalement qu'ils soient moins en marge des décisions, ils parlent aussi des femmes, enfin voilà, on sent, c'est l'Église, peuple de Dieu entière, qui doit évangéliser. Mais je reviendrai là-dessus, sur les deux points qu'on évoquait au début, c'est que derrière, sans qu'ils l'utilisent pour la conversion pastorale, la conversion aussi personnelle, c'est le mot réforme. Cette nouvelle étape, elle doit aussi passer par quelque chose qui réforme. Donc, conversion pastorale et missionnaire, très bien, tout le monde y a droit, le pape, les évêques, les prêtres.
mais aussi réforme des structures ecclésiales pour une décentralisation salutaire, il en parle très bien. Et ça, clairement, on revient aussi à Vatican II, on revient à ce sentiment de collégialité véritablement vécu. Oui, maintenant, mais la réforme, dans l'Église, c'est toujours de réforme de toujours à toujours, quand même. C'est tout le travail de l'Église, c'est cette réforme, cette conversion. Oui, ce qu'il y a, c'est que là, il utilise clairement le terme. Il dit réformer les structures ecclésiales et en disant il faut que les conférences épiscopales puissent travailler elles-mêmes à cette évangélisation au niveau local. Bien sûr, dans une continuité. Oui, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Cette histoire aussi de ton, en fait. Moi, c'est le ton qui m'a un petit peu surpris un peu. On a l'impression d'avoir un pape avec un sacré leadership, quoi, qui dit un petit peu ce qu'il faut faire, quoi, et qui réorganise un petit peu l'ensemble en redisant ce à quoi nous sommes appelés. Vous avez cette impression ou pas ? Oui, alors leadership, non pas dans celui d'une autorité qui, à coup de crosse et de décret, ferait avancer tout le monde dans la même direction, mais dans un processus visionnaire. Le mot vision, je pense, n'est pas donné dans ce texte, mais je lis le texte comme était d'ailleurs Rédempteur au ministre du temps de Jean-Paul II, le premier grand texte, celui qui donne une perspective d'avenir sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Moi, je pense que ce texte, personnellement, pour l'Église, est un texte qui est valide pour les 50 prochaines années, parce qu'il a un souffle. Et en ceci, c'est un grand texte de gouvernement, mais c'est un gouvernement visionnaire et pas un gouvernement autoritaire. Et là aussi, il y a un changement, peut-être une autre manière de regarder la conversion pastorale. Le pape utilise, depuis qu'il est élu, un mot qui est celui du cléricalisme. Et il y creuse ce sujet en disant il y a là une double attitude de celui du prêtre, d'une part, qui abuse de son autorité, en fait, qui donne une autorité simplement un peu pesante, un abus de pouvoir d'une certaine façon, qui génère en symétrie, dit-il, une attitude de passivité chez les laïcs. Et il dit cette phrase brutale, il y a dans cette attitude symétrique une complicité pécheresse qu'il faut briser. Alors, l'Église a toujours été en réforme, mais là, je pense qu'on a quand même un sacré coup de paille de fer qui est en train d'être donné et qui nous invite tous, laïcs et prêtres, à réfléchir. Alors, merci à tous les deux. Évidemment, en 10 minutes, c'est trop peu pour une description exhaustive de cette première exhortation apostolique. Je vous invite donc à la parcourir vous-même. Et puis, info de dernière minute, selon CNN, le pape François se rendrait en Terre Sainte le 25 et 26 mai. Un voyage déjà confirmé par le Saint-Siège. On attend désormais la confirmation des dates. Merci et à la semaine prochaine.